Bonsoir. On faisait quelques petits réglages de dernière minute. Ici au PA, l'orchestre poétique d'avant-guerre, comme Isabelle vous l'a dit, on fait de l'improvisation, c'est-à-dire que tout ce que vous allez entendre là n'a jamais été joué, ne le sera plus jamais. C'est pour ça qu'on enregistre tout ce qu'on fait, au cas où il y aurait des trucs géniaux, parce que ça nous arrive aussi des fois. Donc on enregistre tout pour ne pas perdre une miette de ce concert totalement improvisé. Donc on vous souhaite un bon voyage poétique et musical. On remercie le collectif SDF d'avoir organisé toute cette soirée pour nous tous et pour les gens du quartier, pour essayer de les mobiliser, les sensibiliser, notamment donc à la scène des fêtes, mais aussi finalement au vivre ensemble et à comment on peut décider ensemble de comment on veut vivre dans nos quartiers. On sait que les politiques diverses et variées n'ont qu'une ambition, c'est de nous soumettre à leurs diktats et à leurs décisions. Donc quand on est des citoyens responsables et qu'on essaye de s'organiser, ben, on est content, nous, au PA, de venir soutenir ces causes-là quand elles sont bonnes et quand elles partent du bas pour essayer de grimper un peu plus haut. Donc merci au collectif SDF. Vous pouvez vous applaudir, c'est très bien ce que vous faites. Alors comme Isabelle l'a dit aussi, je suis partie de l'association Droit au Logement. Donc quand on m'a dit qu'on va jouer pour le collectif SDF, j'ai eu une confusion mentale terrible. Je dis bon, Grand Parc aussi, alors, carrément, il y a un collectif. Mais en fait, non, après, j'ai compris que c'était pas du tout. Voilà, mais bon, il doit y en avoir pas loin aussi, donc pensons aujourd'hui aussi à tous ces gens qui dorment dehors ce soir et qui, malgré le froid, tout ça. Donc, bon concert, messieurs, dames, bon voyage. Compagne, compagnon. Nous aurions tort de penser que nous vivons dans un vieux monde qui serait en train de s'effondrer. Nous aurions tort de penser que le chaos vers lequel il semble s'engouffrer n'est que l'inconséquence, l'imprévisible, et que de cet état nul ne pouvait présager. Car il n'est point de chaos pour nos maîtres, et rien ne dissout les privilèges de ceux qui nous asservissent. La dictature est là. Elle n'est plus à nos portes. Elle est entrée dans nos maisons. Elle est dans nos postes de télévision, dans nos radios, dans nos journaux, dans nos écoles, dans nos porte-monnaies, dans le regard oblique que nous portons sur les choses. La dictature est là, elle nous préside, elle est là, ici et maintenant. Alors, nous pourrions nous voiler la face, continuer nos luttes stériles et ancrées dans un système qui nous engonce et qui nous tue. Pourtant, l'heure de nos actes sonne et nous ne pouvons plus détourner le regard. Voilà peut-être notre chance, car il faudra d'abord se regarder bien en face et porter sur chacun de nous, à commencer par nous-mêmes, un regard d'amour et d'extrême sympathie. À la croisée, nous sortirons debout des ornières, ensemble, main dans la main, comme si nous avions toujours marché comme frères et comme sœurs. Et plus jamais nous ne porterons de chaînes. Thank you.
C'est vraiment grand bonheur que tu sois venu à notre rencontre. C'est vraiment grand bonheur pour nous. Puisque du haut de notre chair, nous étions prêts à nous tendre. Puisque du haut de notre chair, nous étions prêts à nous tendre. Nous avons ouvert nos yeux et nos oreilles, et toi-même tu le sais, toi-même tu t'en doutes. Il n'y a pas que des éclats de rire à ramener, toi-même tu le sais, toi-même tu t'en doutes.
prendra la parole. Car tournoyant dans un espace clos et ouvert, nous savons qu'il existe, aussi ancré que nos peurs, aussi prégnant et friable, nous savons qu'il existe l'amour. Et c'est pour ça, c'est grand bonheur pour nous que tu sois venu. C'est grand bonheur pour nous de te recevoir. C'est des textes que j'ai pas écrits aujourd'hui, en fait. Hein. C'est là où je me dis des fois, putain, c'est vrai, en fait. Des fois, on a ce truc un peu d'inspiration, c'est-à-dire qu'on écrit bien avant des trucs qui arrivent après, oui. Comme 1984, par exemple. Ouais, des fois, ça fait peur. Hein. C'est pour ça que j'essaie toujours de mettre un peu d'amour, on sait jamais, ça finira peut-être par arriver aussi. Ouais. On sait jamais.